Le problème, c'est que c'est le dernier cours. On n'a plus d'heures de prévu en fait au niveau des horaires. Mais j'aimerais vraiment bien pouvoir arriver encore à faire au moins Marmoset et un filtre Instagram dans AR Studio, Spark AR Studio, avec vous, donc un filtre Insta avec notre crâne. Du coup, ou bien je vais rusher aujourd'hui ici avec une simple texture sur mon crâne, après vous avoir expliqué toutes les features de substance. Ou bien je vais faire un cours en plus qui sera un cours bonus courant de cette semaine, avant la fin de semaine. Pour permettre à ceux qui le veulent de pousser la démarche à fond. Parce que de toute façon, le but du travail, ce que vous allez devoir rendre, c'est des rendus sur Marmoset. Donc voilà. Donc, ouais, ça pourrait être bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc là, probablement, ce qui va se passer, c'est que... Ouais, c'est que... On va encore voir un petit peu des choses sur substance. On verra bien où on se trouve avant la fin du live pour voir si on fait du marmoset ou pas. Dans tous les cas, bon, jusque-là, pour le texturing, il n'y a pas, enfin, pour l'heure qu'on vient de faire, il n'y a pas énormément de questions. J'imagine qu'il y en a sûrement, hein, mais que vous suivez au fur et à mesure et que vous avancerez un petit peu plus peut-être après en revisionnant les vidéos. Donc je vais avancer, hein. Et dans tous les cas, si vous avez des questions pendant que je travaille, n'hésitez pas à les poser. Je réponds instantanément. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que déjà, je vais un peu faire ça, voilà. Ce qui se passe, c'est que ben, tout simplement, maintenant qu'on a vu la plupart des outils de base, parce que il y en a encore beaucoup, eh ben, je vais faire la première base de mon texturing, comme si j'allais le texturer bah, pour moi. Alors malheureusement, en 1 heure, on va pas avoir le temps de pousser la chose, mais on va pouvoir arriver, je pense, à faire quelque chose rapidement qui sera plus ou moins potable pour la suite. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais virer tous les trucs que j'ai mis là. Je vais créer un nouveau fill layer. Et je vais directement l'appeler, je vais directement le mettre en noir foncé et désactiver tous les paramètres sauf la roughness et je vais la mettre à 1. Comme ça, j'ai un crâne complètement noir et mat, vous voyez. C'est pas cool pour voir les volumes, mais par contre, c'est très cool pour voir si j'ai des trucs, si j'ai des textures qui vont être mal délimitées ou des trucs dans ce genre-là, d'accord? Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ça, j'utilise comme layer de base. Ensuite, je rajoute un nouveau layer qui est aussi un fill layer. Et lui va directement prendre un material. Alors, je sais que... Dans les materials, dans les smart materials, j'ai un material qui s'appelle bones
Stylized. Donc ça, c'est un material d'os stylisé, d'accord? Mais tout simplement, déjà, je vais utiliser ça comme base. Moi, je veux pas faire un truc stylisé, d'accord? Mais je sais que avec cette base-là, j'ai déjà quelque chose qui va me permettre d'avancer. Donc, vous voyez que là, vu que c'est un Smart Materials, il est dans un dossier. Donc, quand je clique ici, le dossier s'ouvre et j'ai déjà une petite base pour commencer à bosser. Alors, bah, la base, tout simplement, en fait, si vous le décortiquez, c'est un base layer, un base fill layer et un fill layer avec un masque de dirt dessus qui est déjà un peu setup. D'accord? Donc, c'est vraiment de base. Cette couleur là de base, bah, moi je la trouve un peu trop saturée, donc je vais un tout petit peu la désaturer. Voilà, et jouer avec la luminosité. Ensuite, ici, je vais un petit peu la renvoyer vers le rouge. Voilà, comme ça. Ensuite, cette couleur-là, je vais la laisser maintenant. Je vais changer, pareil, voyez la dirt, elle est allée me remplir les yeux et venir créer quelques nuances qu'on voit ici, dans les dents, etc. Eh bien ça, je vais tout simplement aussi un petit peu modifier la couleur qu'on à laquelle on accède ici. Donc en cliquant sur le layer en allant dans Base Color, je peux, voilà, un petit peu désaturer et la foncer un peu, histoire de plus matcher le changement avec la première couleur aussi. Ensuite, quand je clique sur Dirt, j'accède à toutes les particularités de mon masque et je vais au fur et à mesure les setups de la manière que je veux aussi. Donc là, le level, vous voyez qu'il fait un invert. Et ici sur le mask editor, pareil, j'ai une modification de l'affichage de ma roughness sur les parties un peu plus au sommet comme ça. Vous voyez, quand je désactive, ça change. Alors ça, pour l'instant, je vais le laisser et je vais juste modifier mon masque de dirt parce que je trouve que il est un rien trop fort au niveau non, voilà, du crunch amount. On l'a un petit peu descendu. Et au niveau de mon contraste, on va un peu jouer aussi avec, voilà. Voilà. Alors, en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter clic droit et je vais faire Paint. Et là, maintenant, je vais pouvoir peindre directement dans mon masque. Je vais prendre la brush Dirt. Donc là, je vais dans Brushes. Dans Search, je mets Dirt. Je prends le Dirt 1, qui est une brush super efficace. Et en fait, en peignant en noir, mais ça va être très léger, hein, je vais juste un peu casser l'espèce d'AO qui m'a remis là. Dans le nez aussi. Voilà. Ici, là, je mets juste quelques coups de pinceau, histoire d'un peu la casser, pour pas que ce soit un aplat trop violent. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que vous voyez que j'ai un layer d'opacité qui me permet de venir avoir le contrôle sur la manière dont je l'ai cassé. Donc comme je l'avais fait, ça un peu trop, donc je vais un peu redescendre. Et voilà, je le mets
à 35, on va dire. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas un aplat méga violent à la terreur des yeux, parce que si je bouge ça, vous voyez que c'est un aplat hyper violent et justement hyper cartoon. Et quand j'ai ma brush de dirt qui vient un petit peu le casser, bah en fait ça vient rajouter un petit peu des détails dans mon ombre et ça rend le truc un peu moins pâteau si vous voulez. Et je vais aussi un petit peu en mettre sur, un petit peu en retirer entre les dents. Parce que de toute façon ça c'est un travail qu'on va venir faire plus tard si j'ai le temps. C'est de pouvoir un petit peu bosser sur les dents. Donc là voilà, là on a une bonne base déjà pour le crâne. Et on a quelque chose de plus ou moins potable dans les creux et sur la face. Une fois qu'on a ça, comment ça va se passer? Ben en fait, j'ai plusieurs choix. Ou bien je commence à travailler tout ce qui est ligne, creux, etc. avec des masques. Ou bien je choisis d'un petit peu apporter des variations dans les plaques de mon crâne. Alors c'est pas hyper réaliste de faire ça, parce que techniquement si le crâne est dans la nature pendant 10 ans, ou l'objet en général, bah, il a tendance à vieillir partout de la même manière. Mais en fait, si on apporte un peu des variations, donc je vais créer un nouveau layer, fill layer. Et là, dans Color, je vais juste faire un piqueur. Et piquer voilà un peu une couleur sur le crâne, voilà dans ces eaux-là. Et alors maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un black mask. Et l'idée c'est avec une brush normale, je vais venir un peu colorer les plaques du cerveau du cerveau du crâne. Et là, je vais faire un truc dans ce genre-là. Donc ce que je disais, c'est que c'est pas forcément logique que les plaques n'aient pas exactement la même couleur. Mais vous allez voir que ça va être très subtil. Ça va être vraiment très très subtil. Et en fait, l'idée, c'est que indirectement, même si c'est pas logique, en fait, ça va apporter un petit peu de la variation pour l'œil. Et du coup, ça va être moins ennuyant à regarder, si vous voulez. Même si ça va être très très subtil et que probablement on n'y fera même pas attention parce que justement ça va être léger. Mais indirectement, ça va rajouter un peu de rondeur au modèle. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, je fais tout le contour de la plaque, plus ou moins. J'ai pas besoin d'être précis à 10 millions de pourcents, parce que de toute façon, mes lignes ici, après, elles vont être plus foncées, donc elles vont cacher, elles vont être au-dessus de ça, donc elles vont cacher un petit peu le fait que j'ai pas été trop précis. Et donc là, l'idée, c'est que je remplis tout. Exactement comme ça, voilà. Et le but ici, ça va être après, donc quand cette plaque sera complètement remplie. Le but, ça va vraiment être de jouer avec l'opacité et la couleur que j'ai dessus, la saturation de la couleur que je suis en train de refaire dessus, pour de manière vraiment très subtile venir ajouter une variation sur ce côté-là du crâne, sur cette plaque-là. Et alors, dans le meilleur des mondes, il faudrait le faire sur toutes, mais de manière vraiment subtile, c'est très très léger. Hein. Ça va vraiment permettre d'apporter cette petite variation dont je parlais. Et en fait, c'est important que ce soit subtil parce que si c'est pas subtil, ça va pas du tout paraître réaliste et ça va ressembler à rien quoi. Donc là, l'idée. Parce qu'une fois que la plaque elle est peinte comme ça, eh bien en fait je vais descendre l'opacité très très bas, la mettre à 9 pour l'instant, et en fait là dans mes couleurs,
Je vais un petit peu. Varié, voilà, je mets du un peu du jaune, un peu orangé, désaturé comme ça. Et là, vous voyez que c'est même déjà un petit peu trop. Donc on va le descendre à 6. Et on a déjà une petite différence de couleur entre les deux. Qu'on remarque pas forcément au premier abord, mais qui au final vont faire en sorte que l'objet va être plus intéressant. Donc là, le masque, je vais le dupliquer. Je refais un black mask. Je vais le remettre à 100%. Et je vais remettre la couleur pour bien voir ce que je fais. Et là, je fais pareil avec l'autre côté. Alors là, je vais en faire que, je vais en faire que deux. Normalement, il faut tout faire, mais vu qu'on est un peu dans le rush, ça sert à rien que je fasse tout pour le moment parce que ce qui nous intéresse, c'est plus les explications que le fait de me voir peindre n'importe comment. Voilà, hop. Hop, 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 hop. Alors pour inverser rapidement de couleur, donc là, je peins en blanc sur mon masque noir, c'est pour ça qu'on voit le jaune qui apparaît, d'accord, hein, je travaille toujours en strat, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Et pour vite inverser de couleur entre le blanc et le noir pour gommer, eh ben c'est X, comme sur Photoshop. Donc là je peins en blanc, là je fais X et ça efface, d'accord? Alors une fois que tout mon crâne, que toute la plaque sera aussi faite, donc là, vu que j'ai fait les bords, je peux un peu agrandir ma brush. Logiquement, hein, plus votre brush est grande, moins vous êtes précis, hein, mais plus vous recouvrez de surface rapidement. Donc ça, c'est quelque chose, si dans ZBrush, on avait directement fait des ID maps, donc si on avait assigné des couleurs sur ZBrush, sur les plaques par exemple, eh bien en un clic, ça pourrait être fait, hein, ce genre de choses. C'est juste que on n'a pas assigné de couleurs sur nos modèles. Donc du coup, on faut le faire à la main. Mais l'ID map sert à ça principalement, à définir des parties d'objets sur vos modèles pour avancer plus rapidement dans la partie de colorisation et de... Voilà, donc là, ça c'est fait. Et alors, une fois que c'est fait, je descends pareil, l'opacité bien basse. Ici, je vais partir sur un truc un peu plus foncé. Voilà, je l'ai plutôt mis un peu plus fort, mais je vais un peu le réduire à 11. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir ça, des petites variations un peu légères comme ça sur chacune des parties pour justement permettre à ce que ce soit
un peu plus une fringale pour l'œil. Donc attention à ce que ce soit pas trop fort et à ce que les couleurs soient pas trop éloignées. Dans ce cas-ci, ça l'est, donc faut faire un peu gaffe. Voilà. Alors imaginons que toutes les variations aient été faites. Après, ce qui m'intéresse, c'est de définir un petit peu plus certaines interstices sur le crâne. Par exemple, mes lignes ici, j'ai envie qu'elles soient un petit peu plus foncées pour justement un peu mieux définir les plaques en question. Ben pour ça, je peux faire... Alors déjà, les deux trucs-là, je vais les assembler. Avec Maj, je sélectionne... Avec Maj appliqué, je sélectionne les deux et je glisse sur le folder. Et je vais juste l'appeler plaque crâne. Et comme ça, je sais toujours où sont mes layers et ce qu'ils font. Parce que bon, vous n'êtes pas obligé de les renommer comme ça, mais par contre, c'est important de les mettre dans des dossiers pour avoir quand même une structure sur ce que vous êtes en train de faire. Ici, celle-ci, hop, on va tout retirer et on va faire un piqueur. Je vais la masquer. Et je vais faire un piqueur ici dedans. Et ça, je vais descendre la couleur comme ça pour le moment. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais aller dans mes Smart Masks. Et dans mes Smart Masks, vous voyez que j'ai des textures qui s'appellent Edge Strong. Ou bien la texture qu'on a utilisée tout à l'heure, occlusion. Alors, ce qu'on peut faire, Dirt Cavity aussi peut être bien. On va d'abord essayer Dirt Cavity pour voir comment ça passe. Essayer d'Apple Setup pour essayer justement de ramener un peu de détails dans les rainures. Donc, Sharpen, on le désactive pour l'instant. Et dans Mask Builder, on va. Déjà retirer AO parce que vous voyez que là-haut il s'est en train de remplir mes yeux etc. et je le veux pas dedans pour l'instant ou peut-être très très léger comme ça disons. Curvature je laisse à fond parce que moi c'est curvature que je veux utiliser pour remplir les petites rainures. Et alors curvature top-down gradient. Vous voyez que bah, le nom dit ce que c'est. C'est la manière dont la curvature, dont le masque va affecter la curvature du dessus jusqu'en dessous. Donc j'en mets très très léger. Et ici dans mes options de curvature, je fais attention à ce que ça soit bien sur 0. Convexe contraste, on s'en fout. Concave range va me permettre d'un peu augmenter la manière dont ça se pose. Et smoothness de descendre. Vous voyez le blur qu'il y a sur les bords. Donc là, j'arrive un peu plus à ce que je cherchais. Pas trop pour l'avant, mais je peux toujours m'en occuper après. Moi là, je suis vraiment concentré sur les lignes, d'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, le level boost va un petit peu bouger. Voilà, là, c'est pas mal. Les scratch, ouais, on pourrait peut-être un petit peu les afficher, juste comme ça, vous voyez, comme ça vient un peu casser l'aplat de la surface. Elle reste, c'est bon. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je check comment le sharpen vient faire son taf. Il pue, donc on le met pas.
Et en fait, je vais baisser, vous voyez, l'opacité, parce que bon, là, c'est bien gentil, mais c'est beaucoup trop fort. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité, comme ça, voilà. Et là, je l'augmente. Donc, je la baisse à entre 50 et 60. Et ça me sert vraiment à revenir délimiter les bords comme ça de mon crâne. Alors, ce qui peut aussi bien fonctionner, c'est de venir après ça, pour encore travailler sur la curvature, rajouter donc ce masque-là. Par contre, je vais mettre une roughness, mais je vais la descendre parce qu'on est dans des creux. Et dans les creux, là, il n'y a pas de raison que j'ai beaucoup de. Pardon, de brillance. Parce que c'est un creux. Et dans un creux, ça brille moins. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que je mets une roughness quand même, mais je la fais pas briller. Vous voyez, là, ça brille et c'est pas logique. Alors que si ça a un peu plus mat. C'est un peu plus logique. Ce que je peux faire, c'est le dupliquer, augmenter le contraste, d'accord? Donc là, vous voyez que maintenant, c'est un peu plus clair. Mais en fait, et je vais même augmenter l'opacité, d'accord? Je vais même encore augmenter un petit peu. Voilà. Mais alors lui, je vais le mettre dans un dossier. Enfin, ils vont tous les deux être dans un dossier, mais lui va être dans un dossier, dans un dossier. Voilà, j'en recrée encore un. Là, je prends tout. Je mets tout dans un dossier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur le folder avec le layer plus clair, je vais mettre un dirt. Où est-ce qu'il est? Dirt Dry, voilà. Oh, pardon. Sur le dossier. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir me rajouter, voyez, de la texture dans mes lignes. Comme ça, elles sont pas complètement unies. Faut juste que. Soit pas trop violent en termes de couleur, voilà. Et du coup, c'est très léger. Mais en fait, ça va permettre de pas avoir un truc complètement complètement uni et un peu bizarre comme ça. Alors, je vais encore un petit peu descendre. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va travailler sur la curvature, mais sur les sommets. Donc là, on va travailler dans les creux. Maintenant, on va travailler sur les sommets. Donc pour ça, je prends ça. Hop. Et un truc que j'aime bien faire, c'est prendre un jaune, un blanc cassé, pardon, dans ces eaux-là. Voilà. Et là, c'est un test, hein. Et là, ce que je fais, c'est que je prends un Septal Scratch. Je pense que c'est celui-là. Et alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais le passer en multiply. Voilà. Et là, en fait, vous voyez que si je le désactive, ça vient de venir me rajouter des scratchs, des petits détails de surface comme ça, à gauche, à droite. Je vais un peu le tweak. Dans paramètres, voilà. Et je vais le descendre.
descendre. Ici, mon dirt, je vais un peu le descendre aussi. Pardon, c'est celui-là. Voilà. Voilà, ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, hop, je recrée un dossier, je le mets dedans. Ça, je l'appelle Scratch Clair. Je vais refaire encore un dossier, un fill layer dedans. Je le passe au-dessus et je vais faire comme ça. Et alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va être un edge strong mais scratched comme ça. Et voyez que là, il vient me refaire toutes les surfaces en sommet. Et alors, c'est un. Ah oui. Je dois le laisser. Je dois pas le mettre dans le même dossier. Je vais faire comme ça. Alors, ici, je le mets en overlay. Voilà. Et on descend l'opacité aussi. Voilà. Cette main un peu fort ça. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est qu'une fois qu'on a ça comme matériau de base, on peut créer un gros dossier avec. Donc on fait Bang, on l'appelle base, on sélectionne tout, on met tout dedans, et voilà. Et maintenant on a un dossier base qui est la base de notre texture, de tout notre crâne, d'accord? Pardon, donc, une fois qu'on a une base comme ça, qui est plus ou moins ok pour commencer à travailler, normalement, vous avez un peu plus de variation au niveau des plaques. Et ben, on va pouvoir commencer à penser à d'autres choses. C'est-à-dire, ben, par exemple, quand un crâne comme ça a vieilli dans le temps, il y a parfois des petits restes de peau ou de marques de sang ou des crasses au niveau des interstices. Des coupures à certains endroits, imaginons qu'il s'est pris un coup de hache sur la tête, ou même parfois des cassures s'il y a eu des traumatismes crâniens ou des trucs dans ce genre-là. Et bah, ce genre de choses auxquelles on peut commencer à penser maintenant pour les rajouter. Alors bah, moi, déjà tout simplement, je vais essayer un petit peu de bosser sur les dents. Les faire un rien plus clair. Donc on peut faire comme ça, mettre une roughness un peu plus claire, black mask, et là je vais tout bêtement les mettre en blanc cache. Ça va pas rester comme ça évidemment. Voilà. Voilà, hop, hop, hop. Alors
Alors là, il faudrait être un peu plus propre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Nickel. Un peu les bords, je reviens avec ma lumière devant, donc lumière, clic et alt. Voilà. Alors une fois que mes dents sont marquées en blanc un peu plus clair comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un clic droit, add filter, et là, vous voyez que j'ai un nouvel panneau qui s'affiche et il est mis no filter selected et je vais juste cliquer sur saturation, il est là, HSL perspective, pardon. Et alors ici, vous voyez qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir changer la lightness de de mon blanc. Et puis surtout, je vais pouvoir le colorer. De cette manière. Alors moi, ce que je veux faire, c'est repartir sur un peu du jaune. C'est repartir sur un peu du jaune. Ce qu'il y a, c'est que je suis très daltonien, si vous l'aviez pas encore remarqué. Et du coup, il faut que je mette vraiment les choses proches de mes yeux, sinon c'est compliqué. Voilà, un truc dans ce genre-là. Alors une fois que ça c'est fait, ben en fait, j'aimerais bien l'assombrir. Ah mais non, mais je suis bête en fait. Je flash à fond en fait. Pardon. Dans la base color, je vais directement aller choisir... à jaune, à blanc cassé, un peu plus foncé, mais quand même plus clair que les bones. Un truc dans ces eaux-là, peut-être. Ouais. Et alors, en fait, ce qui m'intéresse, j'aimerais bien essayer, je suis pas sûr du résultat. Mais d'avoir un peu plus une texture dedans, quoi, dessus. Hein, avoir clairement un peu des lignes, etc. D'abord, je vais juste travailler sur le fait que elle soit un peu plus séparée. Donc, je vais faire Black Mask. Et là, hop, je vais choisir d'abord du foncé. Comme ça, roughness, je vais la descendre. Et là, on va prendre du occlusion, celui-là, et on va le setup pour un petit peu remplir les dents en fait. Voilà.
Voilà. Voilà. Et alors en fait, ça, ce qui va se passer, c'est que je vais créer un nouveau folder. Attention, c'est important. Je clique droit sur le masque. Et là, je peux copier les masques en fait. Donc je fais un copy masque. Sur le folder, je fais un add white mask. Et là, je fais past into mask. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Pardon, add black mask. Et là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, maintenant, j'ai ce masque-là qui est le même que celui de mon folder. Et du coup, ça va impacter que mes dents. Parce que le masque que j'avais fait ici, c'est le masque que des dents. Et comme ça, ce truc-ci, il n'impacte que ma dentition. N'impacte pas le reste du crâne, d'accord? Donc là maintenant, j'arrive à avoir plus ou moins un ombrage un peu plus foncé sur les dents qui me permet de avoir un peu plus ce côté réaliste à ce niveau-là. Alors ce que je peux faire, c'est encore le dupliquer et maintenant travailler sur l'épaisseur l'épaisseur du truc, donc en faisant ça par exemple. Voilà. Et maintenant, je peux un peu le réduire. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez que si je bouge les deux, ben on passe d'un truc comme ça à un truc comme ça, qui est déjà un petit peu plus correct. Même si c'est fort foncé, on pourrait un peu rendre le truc un peu plus brun dans ces eaux-là. Voilà. Et là, on est un peu plus sur du correct. Alors, ce que je voudrais faire aussi, c'est en plus de rajouter des lignes sur mes dents. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec, par exemple, une brush, ou bien, si je vais dans procédural, il pourrait y avoir une texture procédurale qui nous intéresse. Non, on va le faire à la main. On va le faire à la main avec une brush sympa. Faut que je la trouve. Où est-ce qu'elle est? J'ai oublié son nom. C'est peut-être bien ça. Donc, ce qu'on fait, c'est nouveau layer. Là, on va dessiner que sur la height map en négatif. On fait un black mask. On va dessiner en blanc. Et là, j'aimerais bien juste vérifier. On dessine comme ça, ok. Je vais passer ma texture en 2048. Non. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors normalement ça devrait marcher. Donc je la mets à 90 degrés, vous voyez, pour dessiner droit. Voilà. Et alors le but ici, ça va être d'arriver. Peut-être que Wingly Dot ça pourrait aller aussi. Voilà. Je la mets à 90 degrés. Et le but ici, c'est d'arriver à essayer de récupérer une pseudo-texture sur les dents, d'accord? Donc, j'oublie pas dans mes layers
ici de passer la texture dans le même dossier. Et alors ce qui se passe, c'est que de manière grossière, hein, dans un premier temps, je vais tout mettre comme ça. Et alors, après, on va venir redéfinir la manière dont ça s'affiche. Hop là, avec le masque. Comme ça. Hop là. Voilà. Alors en fait, maintenant, vous voyez que on a des lignes qui sont venues se mettre sur nos dents. Elles sont un petit peu grossière, donc on va remédier à ça tout de suite. Vous voyez que là je peux les amplifier, hein, en changeant la taille de ma heatmap. Donc on va juste un peu amplifier en fait. À premier abord c'est pas fou, mais en fait ce qui va se passer c'est que avec un clic droit filter, on va pouvoir mettre un blur dessus. Et vous voyez que si je le mets très très bas, comme ça, et ben en fait ça me permet de revoir les lignes. Donc n'oubliez pas qu'on le voit. Voilà, on le voit comme ça notre crâne, hein, en plus gros plan. Et en fait là, eh bien, j'ai réussi à récupérer exactement les formes que je voulais dans les dents au niveau du texturing. Vous voyez, ces fines lignes qui font que une dent, ça coupe bien. Voilà, ici aussi, on les voit un peu. Et grâce à ça, j'ai réussi à vraiment récupérer la texture que je voulais insuffler à mes dents. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais un petit peu les pimper dans le sens où j'aimerais bien avoir peut-être un ou l'autre plombage et une dent en or, parce que les dents en or c'est stylé, ça fait pirate et je trouve ça cool. Donc du coup on va vite faire la dent en or pendant les 4 minutes qui restent et puis pareil on refera encore une pause. Donc si vous avez des questions, préparez-les déjà. Donc pour la dent en or c'est simple, déjà vu que c'est une dent en or, on va retirer la texture que je viens de faire sur elle. Donc je reprends ma brush, mais je prends une brush normale cette fois, la soft. Et le délire, c'est que je vais peindre en noir, voilà, pour retirer, parce que forcément, vu que c'est une dent qui a été fabriquée, elle est lisse. Y a pas les stries qu'on a sur les dents normalement. Voilà. Et là, je vais directement aller dans matériel, taper gold, prendre un truc qui s'appelle gold pure, la mettre dedans, faire un black mask, peindre cette dent-là en gold. Voilà. Je vais prendre le pen, hop, et là avec le pen, voilà. Alors le truc c'est que là,
Ah, j'ai même peut-être envie d'en faire deux, tiens. Mais en gros, ce qui va se passer avant, c'est que je vais un peu modifier le matériau de gold parce que je le trouve pas comme je veux. Et je vais modifier mon masque qui est pas très propre. Voilà, comme ça. Et ici, pareil. Alors, je fais attention que là, avec ma gold, je suis en train de dessiner par au-dessus des ombres que je suis venu mettre de mon ambiante occlusion que je suis venu mettre dans les dents. Donc, il faut que je fasse gaffe que... Il faut bien que je reste au-dessus de ça. Donc ça doit être comme ça, je crois. Juste que je vais faire, c'est que je vais la masquer ici aussi pour récupérer la couleur que je veux. Voilà. Voilà, et alors là, je vais la foncer parce que j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus foncée. Voilà. Donc, comme dit, petite pause. Encore une. J'espère que tout est plutôt clair jusqu'à présent. Si jamais ça l'est pas, n'hésitez pas à le dire. Voilà, j'ai un peu changé la roughness quand même. Alors la lumière, c'est en clic droit avec Maj, si t'es à la souris, et si t'es avec le pen, c'est en clic ici, le premier, avec Maj. Et là, tu peux changer la lumière. Et fais bien attention à voir environnement, l'environnement que j'ai montré tout à l'heure, qui est le Studio 03. Cliquer, glisser dans la fenêtre et ça le met automatiquement. Comme ça, tu as vraiment la meilleure, le meilleur lighting pour travailler. Alors là, je fais un peu des tests sur la roughness de la dent parce que j'ai envie de la faire brillante parce que c'est marrant pour le shiny, pour le côté bling bling, mais dans un autre sens, c'est pas très réaliste qu'elle soit hyper brillante non plus. Du coup, voilà, je vais les sortir les deux. J'hésite même à la mettre grise en fait. Ouais, bon, on va la laisser comme ça pour le moment. Ouais, comment ça se passe là pour vous? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement perdus?
où est-ce que tout le monde arrive plus ou moins à capter la philosophie du soft, et sans qui pourra, à l'aide des vidéos qui viendront, quand même assurer sur son texturing, puisque faut pas oublier que c'est le travail de rendu, hein. C'est ce que vous allez me rendre aussi fin d'année, c'est le crâne avec les textures, etc. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du Photoshop en 3D, hein. C'est du Photoshop en 3D, d'ailleurs ça appartient à Adobe, hein. Substance Painter au départ ça leur appartenait pas, mais Substance Painter a été racheté par Adobe il y a un an et demi plus ou moins, donc maintenant c'est à Adobe. Et ouais, la philosophie du programme fonctionne vraiment comme Photoshop, avec les particularités de la 3D évidemment, et d'un environnement PBR où on travaille avec plusieurs types de maps en même temps. Et ouais, c'est cool. Alors en plus, il y a tout un panel que j'ai pas montré parce qu'on n'en aura pas besoin, mais vous avez un petit appareil photo ici au-dessus qui s'appelle... Quand vous cliquez dessus, le programme passe en mode rendering. Et du coup, bah, c'est assez cool parce que vous pouvez faire des renders directement dans Substance de vos modèles. Donc là, si je passe en mode rendering, et bah, vous voyez que directement, sans aller me promener à gauche, à droite sur d'autres programmes, et bah, je peux directement faire des renders de mon crâne et m'amuser avec des post-effects, de la color correction, etc. À n'en plus finir, avec du glare, etc. Plein de choses vraiment intéressantes qui sont sympas pour faire des renders. Donc ouais, très très cool, très très cool. Bref, quand on clique dessus, on revient en mode édition, et nous c'est là où on était. Alors il y a des petites choses que j'ai pas montré par rapport au setup de l'environnement. Si vous allez dans Windows, vous voyez que dans View vous avez un onglet Display Setting qui n'est pas activé de base. Et ici, il affiche cette fenêtre du coup. Et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir un peu changer des choses de l'affichage. Alors forcément, c'est pas hyper utile ici parce que nous, on travaille vraiment le texturing. Et du coup, ça va avoir tendance à fausser un peu les choses. Mais parfois, c'est intéressant pour vite apercevoir la tête que ça aura in-game. Déjà, rien que les shadows, ça peut être intéressant de travailler avec les shadows d'activer. Parce que ben, ça permet de voir directement comment le crâne et comment... La lumière et les shadows vont fonctionner sur le crâne in-game, parce que de base, bah, il n'y a pas vraiment de shadows qui sont mis sur le modèle quand vous travaillez, d'accord? Là, je vais les activer pour un peu vous montrer. Et puis comme ça, bah, ça vous permet aussi d'être sûr de ne pas travailler avec trop de noir à certains endroits, parce que quand on travaille sans shadow, on a peut-être tendance à vouloir trop les simuler comme j'ai fait là entre les dents. Et du coup, ça va rapidement venir créer des zones d'ombre trop ombragées. Parce que c'est vraiment pas cool de travailler avec du noir pur dans des textures, quoi. Dans le monde réel, c'est très très rare qu'il y ait du noir pur. Du noir pur sur vous.
Même quand vous êtes habillé en noir, c'est jamais un noir pur. Donc voilà quoi. Mis à part si vraiment la direction artistique de ce que vous faites est avec du noir pur, il y a très rarement de noir pur. Donc ça, c'est pour la petite partie display setting. Vous pouvez un peu chipoter là-dedans si vous avez envie, mais tant que maintenant, rien qu'avec l'éditeur de base, il y a mo déjà moyen de faire des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que, ne sachant pas si tout le monde sera disponible fin de semaine ou dans le courant de fin avril, début mai, vu que vous allez devoir commencer à bosser d'autres trucs et tout, je vais directement continuer avec ce texturing là, même si j'aurais voulu faire des peintures de guerre et encore détailler des trucs. Mais malheureusement, au niveau du temps, vu qu'il reste qu'une heure, ça risque d'être compliqué de continuer ici. Donc, pour ce qui est de Substance Painter, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions sur Discord pour votre texturing. Parce que là, vu que je vais enchaîner sur les rendus, je vais plus trop parler de substances. Et pour apprendre un programme, c'est bien d'enchaîner le travail dessus et de vraiment faire des heures dessus pour comprendre comment tout fonctionne. Et honnêtement, on en découvre encore tous les jours en parlant avec les gens, en partageant. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même entre vous. Et à moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bref. Et du coup, là maintenant, on va exporter les textures et faire des rendus dans Marmoset. Comme ça, on voit comment faire les rendus. Non, non, c'est pas un problème si tu changes ton idée de base, de toute façon. Là, vu que à cause de tout ce confinement et tout, ça a été un peu des horaires bizarres et un changement de cours étrange, on n'aura sûrement pas le temps de faire le crâne modifié dans ZBrush. Donc, ouais, pour le texturing de ce crâne-ci, y a clairement, vous avez clairement le champ libre pour faire quelque chose d'intéressant, et même si c'est pas un truc qui colle à votre premier concept. Juste comme j'expliquais tout à l'heure, essayez de rester consistant dans la manière dont vous le présentez, c'est-à-dire que ne viens pas mélanger des trucs d'univers différents ou des couleurs étranges qui ne vont pas trop ensemble, etc. Essayez de respecter quand même une certaine loi de l'esthétique pour que ça fonctionne. Mais non, je vois pas de problème à ce que tu changes par rapport à ton concept. Ouais, donc j'essaierai de continuer avec un autre cours d'ici à début mai, comme j'ai dit. Bah, vu qu'il sera pas prévu à l'horaire, je sais pas si chacun d'entre vous aura envie de venir ou sera là. Mais en tout cas, ce sera vraiment important d'être là parce que on fera du filtre Instagram. Et c'est intéressant parce que ça fait partie des trucs que je demanderais à la remise, donc ce filtre-là, en plus de ce qu'on fait là. Donc voilà. Donc, à partir du moment où vous avez terminé de faire votre texturing, vous estimez que c'est terminé, parce qu'en réalité, on pourrait continuer des heures et des heures sur un texturing, eh bien, vous allez devoir exporter les textures. Alors, à ce niveau-là, à partir du moment où dans son esprit, on a compris qu'on allait travailler avec différents types de textures, eh bien, cette étape est plutôt simple en fait. Alors, tout simplement, dans le programme, vous allez dans File et Export. Et il y a un onglet Export texture. Et alors, comment ça se passe? Donc, une fois que les choses sont set up, ça va tout seul. Vous avez
un output directory, donc c'est là où vous allez exporter vos textures. Moi, je vais les mettre dans My School Texture. Voilà. C'est du Metallic PBR, comme je l'ai dit. Et File Type, nous, on exporte en Targa. Donc ici, ce sera TGA. Voilà, Targa. Weebits. La taille de nos textures, c'est du 2048 par 2048. Padding, on peut mettre dilatation infinie. Et ensuite, dans Output Template, nous, on va prendre le Engine Unreal 4. Donc, c'est le Unreal Engine 4, c'est celui qu'on va utiliser pour faire nos rendus dans Marmoset. Donc, avant d'exporter, vous venez là, vous cliquez sur Unreal Engine 4. Et ici, alors, est-ce qu'il veut bien le sélectionner? Ça serait intéressant. Bon, c'est un nouveau système qu'ils ont fait. Et là, j'avoue que je sèche sur un truc. Ok. Est-ce que on peut choisir? Ah oui, voilà, ok. L'output template, pardon. Donc, désolé pour ça, c'est juste que l'interface a changé. D'ailleurs, selon la version que vous avez, c'est peut-être même pas le même interface. Mais dans l'output template, vous allez prendre l'Unreal Engine 4. Voilà, celui-là. Donc c'est celui qui est ici, mais ici c'est pour les modifier en fait. Et là vous pouvez directement sélectionner Engine Unreal 4. Donc vous gardez l'export texture à 2048, le file, et ensuite vous cliquez juste sur export. Il va tout exporter, voilà, une fois que c'est fait, il dit bah voilà, c'est fait. Vous faites OK, nickel, hein. Donc là il est exporté. Et en gros ce qui se passe c'est que maintenant, dans mon folder ici, j'ai texture et là j'ai base color normal et une map qui va prendre toutes mes maps. Donc je vais toutes les ouvrir dans Photoshop. Hop. Hop. Et hop. En gros, comment ça se passe? Cette map-là, la base color, ça va être la map avec les couleurs. Il n'y a rien d'autre, c'est que les couleurs. Dans les channels, si vous avez de la transparence, souvent il va y avoir un channel en plus qui sera l'alpha. Et là, c'est là qu'il y aura votre texture de transparence. Là, nous, sur notre crâne, il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de channel alpha. Dans la texture de normal map, ça ressemble tout le temps à ça, une texture de normal. C'est des variante de bleu. Donc là, ça c'est ma normale. Il n'y a rien de spécial à savoir si ce n'est que chacun des channels, red, green et blue, représente
la manière dont la normale va être interprétée par le programme dans lequel vous la mettez. On y reviendra d'ici 20 minutes. Et ensuite, la dernière map, c'est Occlusion Roughness Metallic. En fait, ça, c'est une map qui est une map qui va réunir trois autres maps. Donc, la métallique, qui est dans le channel bleu. La Roughness, qui est dans le channel green. Et l'occlusion, qui est dans le channel vert. Red, pardon. Cette map-là, eh bien, ces trois maps-là, eh bien, on va les utiliser dans le programme qui s'appelle Marmoset pour faire un rendu de notre crâne. Et me dire, ouais, monsieur, pourquoi on n'utilise pas le truc de rendu qu'il y a dans Substance? Ben parce que le truc de rendu qu'il y a dans Substance est pas le programme avec lequel j'ai envie de vous faire apprendre à faire des rendus. Parce que tout simplement, ici, pour mettre des objets avec des animations, etc., c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de faire des animations de caméra. Il n'y a rien moyen de faire. Alors que dans Marmoset, on sait faire toutes ces choses-là. Donc là, j'ai mes trois textures. Je vais pouvoir lancer Marmoset. Donc si vous l'avez pas encore, c'est dommage parce que j'ai demandé de l'avoir. Mais il faudra que vous le chopiez. Donc Marmoset, c'est comme ça. Je vais brièvement faire un review de l'interface. Mais je ferai un retour sur l'interface le prochain cours ou en vidéo pour la prochaine vidéo. Donc, pareil, comme dans tous les programmes, File, Edit, View, Scene, etc. Nous, on veut apporter notre modèle low poly. Donc, comme d'habitude, File, Import Modèle. Et là, je vais sélectionner mon School Low. Et boum, j'ai mon School Low qui est là, en plein milieu de ma fenêtre. Et là, pour le moment, je dois faire qu'une chose, c'est lui assigner les textures que je viens d'exporter. Pour ça, je vais ici en haut, je vois qu'il a directement créé un default matériel avec tous les inputs que je vais devoir mettre ici en dessous sur la droite. On va commencer par la première, c'est dans Surface, Normal. Et c'est là que je vais mettre ma normal map. Je clique simplement dans normal. Et là, je sélectionne la normal map que j'ai exportée de substance, qui est là. Quand je l'importe, je vois que ça ressemble à rien là. Ça me fait des trucs trop bizarres. Eh bien, ça, en fait, c'est parce que Marmoset, il a tendance à ne pas apprendre à inverser, à lire la map green inversé sur la normal map. Donc quand vous apportez votre normal directement de Substance Painter, vous devez cliquer sur Flip Y. Et quand vous faites ça, et bien la normale apparaît convenablement. D'accord? Donc là, ma normale est bien parce que j'y flip le channel vert en faisant Flip Y. Donc c'est tout. Pour la normale, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, Roughness, je vais passer. C'est en gloss, je le passe en roughness. Même chose, je clique sur l'input. Et là, je clique roughness. Ensuite, il y a channel R. Si je me souviens bien, je vous ai montré. C'était l'occlusion. Donc, ici, en red, c'est l'occlusion. Donc, c'est pas ça que je veux. En green, c'est ma roughness. Donc, c'est ça que je veux. Donc, là, le channel, je vais le passer en green. Et là maintenant, j'ai exactement la roughness que j'avais mis dans le programme. Albedo, c'est la color map. Donc ça, je clique sur le channel, sur le slot et je prends base color. Open. Et là, elle est mise. Ça ne se voit pas parce qu'en fait, dans specular, je dois cliquer sur metalness, le slot vide. Je reprends
ma map avec la metalness, l'occlusion et la roughness. Et là, dans le channel red, c'est pas le bon. Dans le channel green, c'est pas le bon parce que c'est notre roughness. Dans le channel B, c'est la metalness. Donc là, c'est bon. Vous voyez qu'il n'y a que ma dent qui est en métal. Et ça a fonctionné. Alors, ensuite, il reste plus qu'un truc à mettre, c'est l'occlusion ici. Il faut le déplier. On clique occlusion. Je clique sur le slot qui est libre. Je reprends ma map avec l'occlusion et il est dans le channel red, donc c'est correct. D'accord? Vous voyez qu'il y a un slider pour modifier la façon dont elle interagit sur l'objet. Chacune de mes inputs a un slider pour modifier la façon dont il interagit. Normalement, si vous avez bien fait votre modèle, il n'y a pas de raison de devoir modifier ces trucs-là à présent. Alors, là, bon, pour setup le matériel, j'ai un peu tracé, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est de flip le Y sur la normale map, de choisir correctement les channels de votre map de roughness qui se répètent trois fois. Donc pour la microsurface, c'est green, pour la metalness, c'est le red, le bleu, pardon, et pour la occlusion, c'est le red. Donc ça veut dire que là, tout est setup correctement et mon crâne est presque comme dans Substance. Alors, pourquoi je dis presque? Parce qu'ici, on n'a pas encore de réel light. La seule source de lumière qu'on a, elle vient du sky qu'on a ici en haut à gauche. Vous voyez que là, si je clique dessus, on voit le type de map qu'il utilise. C'est juste en dessous de ma tête. Je vais me descendre pour que vous voyez. Voilà. Donc là, hop, dans Sky, on voit qu'il y a un Sky de sélectionné. Alors, pour travailler correctement mon lighting, ce que je vais faire, c'est que le Sky, je vais le mettre pour le moment à 0. Du coup, ma scène devient complètement noire. Et pour remédier à ça, je vais directement créer une light ici en haut à gauche, New Light, et hop, j'ai directement une light qui vient de se créer dans ma scène. D'accord? Alors si je bouge, c'est comme dans Substance, avec Alt et clic droit, je peux tourner autour du modèle. Pour le lighting, il y a forcément plein de sortes de manières de lighter une scène, d'accord? Vous pouvez faire un truc clair-obscur avec une seule light en mode un peu space comme ça, un peu en mode morbide. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est un lighting de base efficace Nous, ce qu'on va voir, c'est un lighting de base efficace pour une scène de base. Donc pour ça, je vais aller dans Photoshop pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hop là. Donc quand on va lighter un modèle, comment ça va se passer? En règle générale, vous avez
Votre modèle, on va choisir une autre couleur. Voilà, vous avez votre modèle dans votre scène, d'accord? Donc là, je suis en vue du dessus, d'accord? Pour vous montrer et vous expliquer. On va faire un lighting qui s'appelle un 3-point lighting. Donc c'est un lighting à 3 points. C'est un lighting assez basique, mais qui la plupart du temps donne des résultats acceptables pour avoir quelque chose de correct qui est éclairé correctement et qu'on voit là où il faut avec une légère ambiance qui est quand même agréable. Donc un 3-point lighting, comment ça se passe? Là au milieu, le rond rouge, c'est mon modèle, d'accord? Et nous, on va devoir créer trois lights. Parce qu'un 3-point lighting, ça fonctionne comme ça. Il va y avoir une backlight ici, une light principale à l'opposé, là, et une light filler. On appelle ça une light filler, environ dans cette zone-là. Disons que là, les endroits que je vous donne, c'est une surface d'action, d'accord? Donc la light qui file, le filler, il est dans ce rectangle-là. La light principale, elle est même un peu plus haut. Elle est dans ces eaux-ci. Voilà. Et la backlight, bah, généralement, elle est dans ces eaux-là. Ça peut bien évidemment être inversé, hein. Votre light principale peut être là, votre filler là et votre backlight là. Ça, comme dit, c'est un lighting de base. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre light principale, avec, vous allez éclairer toute la partie du côté où elle est de votre modèle. D'accord? Donc, elle va être une des lights les plus puissantes de la scène. Pas trop non plus, sinon ça va cramer votre texturing. Mais en gros, c'est elle qui va le plus éclairer votre modèle. La light, donc ça, c'est la light principale. Main light, voilà. Et là, cette light-ci, qui est un filler, comme je dis, est en fait une light qui va venir éclairer toutes les zones d'ombre très foncée, de noir, que votre main light va créer. Parce que, en fait, quand vous allez setup votre light principale, eh ben, elle va créer des ombres. Elle va créer plein d'ombres sur la partie de votre objet qui n'est pas éclairée. Un peu comme la face de la lune qui n'est pas éclairée parce que le soleil, il n'a que une source de lumière. Donc le soleil, il éclaire la lune et à la terre. Et du coup, la lune, elle a l'ombre de la terre sur la tronche, d'accord? Parce que, et toute cette partie-là, pardon, toute cette partie-là est grisée parce qu'en fait, il n'y a qu'un point, il n'y a qu'une source de lumière. S'il y avait deux soleils, eh bien en fait, toute la partie grisée serait un peu plus claire parce que l'autre soleil ramènerait de la lumière dessus. Eh bien ici, c'est exactement pareil avec nos lights. D'accord? Le truc, c'est que la main light, mais enfin, la main light va créer une zone d'ombre sur toute la partie de votre modèle où elle n'a pas, où elle n'éclaire pas, et le filler va venir déboucher toutes les ombres qui vont être très noires de ce côté-là.
Vous allez mieux le comprendre quand je vais vous montrer dans Marmoset comment ça fonctionne. Et ensuite, dernière chose, la light qui est bleutée derrière, eh ben en fait, ça, on appelle ça une rim light. Et en fait, techniquement, elle pourrait même être dans un champ d'action un peu plus grand. En réalité, c'est tout l'arrière du modèle qui peut être impacté par la rim light. En réalité, son champ d'action, ça peut être tout ça. Et en fait, elle va faire quoi, la rim light? Elle va venir définir les bords arrière de votre modèle. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout bêtement, si je prends un travail au hasard sur ArtStation, voilà, je vais dans le main screen. C'est du pur au hasard là que je fais. Donc, je prends le premier truc qui me vient sous la main. Voilà. Donc le mec ici a fait son rendu, voyez, et il a éclairé sa scène. Il a une scène qui est plutôt éclairée de manière très homogène. Cependant, il a quand même deux rim lights derrière son modèle. Et à quoi est-ce qu'on voit ça? Ben, vous voyez que si on regarde tous les bords, en fait, toutes les shapes de son perso, ben, il a deux lights qui viennent plus ou moins d'ici et de là, qui viennent éclairer en bleu ciel, ou en tout cas en bleu très clair, le bord de son personnage pour vraiment redéfinir la shape. Et ça se ricoche même un petit peu sur le dessus de la jambe. Et en fait, ça c'est quelque chose que les personnes qui light des scènes font souvent. Ici, c'est un peu plus léger de ce côté-là, on le voit sur la ligne qui est tracée ici. C'est souvent créé en fait pour vraiment détacher le modèle de l'arrière-plan et définir la shape du modèle plus clairement aussi. Ici, elle est très très prononcée. On la voit, vous voyez ici, la ligne est très très claire derrière l'appareil. Et ben tout ça, c'est la rim light bleutée que je vous montre qui crée ce truc-là en fait. Lui, bon, là c'est à ça a des ça Photoshop, hein, mais il la simule en fait. Il la simule pour lighter son modèle dans Photoshop directement. Ici, pareil, vous voyez tous les bords, c'est des lignes extrêmement claires parce que ça, c'est une rim light qui est simulée dans son painting ou dans sa 3D pour vraiment détacher le modèle du fond et définir la shape et les bords de la shape du modèle clairement. Et là, en un coup d'œil, vous arrivez sur le dessin, vous voyez le truc et vous avez directement toutes les formes du modèle, etc., qui sont bien définies devant vous et mises en valeur. Parce que c'est ça le but du lighting, hein, c'est de mettre en valeur le modèle et la manière dont il est présenté, quoi. Voyez qu'ici, par exemple, il a une rim light aussi, mais il l'a fait orange, lui. Donc, il n'y a pas c'est pas obligatoire de faire une rim light bleue. Là, c'est vrai qu'on a vu beaucoup des bleus clairs et des bleus ciel. Mais selon le mood et ce que vous voulez donner à votre modèle, eh bien, la couleur de la rim light peut varier. Ici, pareil, il a aussi une petite rim light. Sur tout le côté, on voit que c'est beaucoup plus clair. Qui est un peu plus clair aussi. Selon moi, ce truc-là, ça, c'est quand même cool. Le texturing est super top et tout. Mais selon moi, ça manque d'une rim light un peu plus puissante, surtout l'arrière. Parce que si vous plissez un peu les yeux, bah, le bonhomme a tendance à se fondre un petit peu dans l'arrière-plan. Et il se perd un petit peu au niveau des épaules, etc. Bref, là, avec les exemples que je vous ai montrés, je pense que vous devez avoir capté à quoi sert la rim light. On en voit encore ici. Vous voyez que sur tout l'arrière du perso, il y a toute une ligne bleutée qui arrive. Et c'est à ça que ça sert. Donc,
Elle va servir à ça, à venir apporter en fait tout un détachement du personnage par rapport au fond, par rapport à la ville qu'il y a derrière, bref, par rapport à l'arrière-plan, et à venir relever les shapes du perso. Donc ça, c'est pour le 3-point light, le 3-point lighting. On va le faire maintenant sur le crâne, comme ça vous allez comprendre comment on fait ça dans Marmoset. Donc ici, j'en ai déjà mis une, d'accord? On va dire que c'est ma light principale. Pour commencer, je vais créer que des spotlights. Donc le type de la light, il se change ici sur la gauche. Vous voyez qu'il y a directionnel, spot et omni. Tout simplement, omni, ça agit comme une ampoule. Spot, comme un spot. Et directionnel, c'est comme le soleil. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et c'est dans une direction. Un spot, il est limité par l'ouverture des ailettes qui vont définir là où la lumière s'arrête ou pas. Le soleil, il a pas de, il n'y a pas de couvercle autour. Il fonctionne, c'est une boule de feu. Donc nous, d'abord, on va le placer en spotlight. Donc je vais en créer une deuxième qui est venue pile se mettre au-dessus là. Mais nous, on va la mettre, on va l'incliner comme ça. Et on va la mettre ici et on va la descendre parce que ça va être notre filler, d'accord? Ça va être notre light qui va venir filer les zones d'ombre sur notre crâne. Et ensuite, on en recrée encore une qui va être notre rim light. Et elle, on peut la laisser ici derrière, un petit peu inclinée. Voilà. Alors, les deux lights de devant, je vais les passer en spot, en omni, pardon. Omnidirectionnel, ça veut dire. C'est comme une ampoule. Et celle de derrière, la rim light, je vais la garder en mode spot. Je vais juste un petit peu la redéfinir pour que les angles ne soient pas si violents, si grands. Voilà. Elle a déjà rien que sans rien setup de plus, si ce n'est que baisser un petit peu mon filler. Vous captez l'idée principale qu'il y avait derrière ce que je vous expliquais. Donc, avant de commencer à setup les options des lights, vous remontez un tout petit peu le brightness du fond pour récupérer un gris. Et plutôt qu'une image, pardon, vous allez, plutôt que le mode Ambient Sky, vous allez créer sur Color, cliquer, et vous allez choisir un gris un peu neutre, foncé, comme ça, c'est pas mal. Et comme ça vous permet d'avoir un modèle qui n'est pas sur un fond noir, parce qu'éclairer un modèle sur un fond noir, c'est toujours compliqué. C'est mieux d'avoir un gris un peu foncé, neutre. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que là, vous pouvez voir que j'ai ma rim light qui vient sur tout ce côté-là pour détacher une partie de mon modèle. Et surtout venir faire, vous voyez, fonctionner tout le travail que j'avais fait dans le texturing au niveau de la surface. Elle, si je la bouge, ma rim light, voyez que là, on perd énormément d'informations et c'est plutôt ennuyeux. Alors que quand il y a la rim light, eh ben, tout de suite, on a un rappel de toutes les infos de texture qu'on voit là. Que sans rim light, on voit pas, c'est dans l'ombre et c'est tout mat. Alors que là, avec, on a la roughness qui apparaît et les détails de surface de mon crâne. Alors, ce que je peux faire, c'est un petit peu jouer avec l'orientation et surtout essayer d'un peu la déplacer pour voir si je peux pas avoir vraiment une rim light vraiment super intéressante pour la vraiment la. Essayer de la rendre le plus intéressante possible. Donc là, mon but, ça pourrait être de récupérer un tout petit peu du dessus aussi,
Donc un petit peu du dessus du crâne pour avoir quelque chose de bien. Je peux augmenter un peu la brightness, mais pas trop non plus parce que sinon vous voyez que ça commence à peu être cramé et ça c'est pas ouf. Ensuite, bah, la distance, hein, tout simplement, c'est la distance à laquelle le spot va éclairer. Elle était pas mal. Atténuation curve, c'est le dégradé qu'il va y avoir sur la zone éclairée par la lampe. Et shadow offset, bah, c'est la distance sur laquelle la shadow que la lampe va créer va s'étaler. Ensuite, quelque chose de très important, et ça, je vais désactiver la backlight pour vous le montrer, et aussi celle-là. Juste mettre cette light-ci dans votre setup, dans votre light, quand vous la créez, ici, dans Shape, tout est à zéro. Et en fait, vous remarquez que du coup, ça fait des ombres très très dures. Quand on regarde les bords, comme ça, c'est très très dur. Il y a très très peu de réverbération de lumière, et du coup, bah, c'est pas hyper hyper logique. En fait, la shape va vous permettre, vous voyez, de venir travailler, en fait, si vous regardez là au niveau de mes lignes, venir travailler vraiment la manière dont la lumière va se refléter, l'ombre va se refléter et se définir sur le crâne. Alors pourquoi c'est plus logique d'avoir un crâne qui est éclairé plutôt comme ça? Qu'avec des ombres complètement complètement noires comme on a vu avant, bah, tout simplement parce que eh bien quand la lumière atterrit sur un objet, elle rebondit. Et avoir un objet complètement avec des ombres complètement comme ça, c'est quasiment impossible parce que là, la lumière, elle touche, mais bizarrement, c'est quand même tout noir là, alors qu'en fait, elle devrait rebondir et un peu éclairer l'intérieur de la cavité aussi, vous voyez? Et en gros, le but, c'est que... Ah. Bon, plus de caméra, c'est pas grave, je suis pas très important à regarder. Je vais juste désactiver ça. Hop là, voilà. Et en gros, ici, le truc, c'est que bah, vu que les ombres sont très noires, bah, c'est pas logique. Donc, quand je setup ma light, je fais bien attention à essayer de setup les épaisseurs, les longueurs et les largeurs de la manière dont ça se reflète, en fait. Histoire d'avoir un éclairage qui est quand même un peu plus réaliste. Et là, vous voyez que j'ai les deux autres lights de désactiver. Et juste avec une seule light, j'arrive à avoir quelque chose qui est convaincant en termes de lighting, d'accord? Et honnêtement, ça pourrait déjà faire le taf selon les moods que vous voulez apporter. Donc là, vu qu'on a un sky qui est comme ça, c'est un peu nul. Mais si on avait un truc clair-obscur, genre sur une table... dans le noir avec une bougie, on arrive dans un truc qui est déjà un peu plus correct. Alors, moi là, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise le filler. Le filler, il va servir à quoi? Bah, il va servir à toute cette zone noire là ici, qui est même plutôt grise foncée. Et bah, le filler, je vais l'utiliser pour venir les éclairer, voyez, comme ça. Ça va venir, en fait, venir déboucher toutes les zones très sombres que ma light principale va apporter. Donc là, si je me mets vue du dessus, on est plutôt sur un truc comme ça, voyez, avec la light principale ici et le filler là-bas. Alors, c'est important de faire des tests. C'est important de vous mettre en vue de face, plus ou moins, et d'un petit peu déplacer vos lights pour voir la manière dont ils agissent sur votre modèle. Parce que même s'il y a des places plus ou moins définies, c'est important de voir comment le modèle réagit et d'arriver à trouver le meilleur placement pour présenter la light par rapport au modèle. Alors mon filler, je vais pas le mettre à fond, sinon ça va être ma light principale, mais je vais
le mettre à fond et descendre, 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 jusqu'à ce que j'arrive à avoir quand même les ombres, mais pas des ombres bouchées comme celle-là. Donc, quelque chose plutôt dans ce genre-là. Vous voyez, comme ça. J'ai quand même l'ombre, mais je vois quand même les parties qui sont ombrées grâce à mon filer qui va justement venir déboucher un peu toute cette partie-là. C'est important de garder des parties plus ombragées, comme les intérieurs des yeux, etc. ici, même si je les trouve un peu fort bouchées. Mais pour l'exemple, on va quand même les laisser comme ça. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir d'arriver au premier coup d'œil, grâce au fait que c'est assez sombre, on voit, waouh, c'est un crâne. Tu vois, on a directement, bam, on sait ce que c'est. Alors que si ça c'était un peu moins, un peu plus débouché, c'était plus dans un truc comme ça, eh bien en fait, on voit direct que c'est un crâne, mais c'est moins tape à l'œil. Donc CTRL-Z, hop, hop, on replace la light. Et on va l'utiliser pour déboucher. Hop là. Nos ombres. Voilà, comme ça. Et ensuite, on termine avec la backlight qui, elle, va venir, comme vous l'ai expliqué tout à l'heure, détacher le modèle du fond. Alors là, je l'ai mise de ce côté-là, mais par exemple, si on la met droite et qu'on la met complètement derrière, comme ça, voilà, et que j'augmente la brightness, ben voyez qu'on peut facilement avoir la ligne claire qui vient se redessiner beaucoup plus sur tout le pourtour plutôt que sur un côté. Après, comme pour les autres, comme pour l'autre light, il y a moyen de faire un setup pour qu'elle soit un peu plus smooth. Alors, je vais la remettre de ce côté-là et je vais la réduire. Alors, en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu la teindre. Donc, dans le carré blanc, là, si je clique, vous voyez que j'ai accès à des couleurs et du coup, je peux un petit peu lui donner une teinte un peu de blanc cassé vers le bleu. Et pareil pour les autres, mais il faut être vraiment très très prudent avec ça, parce que sinon ça ressemble vite à une boîte de nuit. Mais genre, je casse un petit peu le blanc comme ça. De certaines lights pour les rendre un peu plus naturels. Voilà. Alors si j'ai envie, je peux mettre un petit shadow catcher. Donc en fait, c'est simplement un plane qui va venir afficher, vous voyez, les ombres sur mon sol. Et en plus, parfois, ça ramène des réflexions sur le modèle. Mais là, j'en veux pas, c'est juste pour vous montrer. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un nouveau fog. Donc ça, c'est tout simplement du brouillard. Alors, la manière dont vous allez le setup est très importante. Parce que ça peut ou complètement casser votre scène ou complètement l'embellir. Donc là, moi, j'ai pas forcément envie d'en utiliser, mais je vous montre juste comme ça, vous voyez qu'il y a moyen d'utiliser un fog pour mettre votre crâne dans un brouillard ou faire des espèces de, je vais dire, particules volantes. Vous voyez, toujours, genre, si je fais comme ça, par exemple. Il y a un léger brouillard ambiant qui se voit pas forcément au premier coup d'œil, et c'est tant mieux. Mais en fait, ça va apporter un espèce de, comment dire, un espèce de volume dans la pièce. Ça fait, on a moins l'impression d'être dans un environnement complètement aseptisé, vous voyez. On est plus sur quelque chose avec une atmosphère.
Bon, désolé pour le texturing, hein, il est vraiment pas top, mais malheureusement, vu que j'ai dû un peu rusher, on fait avec, hein. Ensuite, l'idée, c'est que ce que vous avez ici dans votre shelf là, il y a aussi un onglet Main Render et Main Camera et Render, pardon, sur lesquels j'ai pas encore été avec vous. Dans Caméra, vous avez toutes les options de la caméra. Alors pour faire vraiment des rendus sympas, il y a moyen de gérer des choses ici. Donc par exemple, dans Linear Tone Mapping, vous pouvez passer en Reinhardt. C'est plus la manière dont les films sont traités et dans les curves. Donc ça, c'est quand même assez important. Vous allez dessiner un S. Ça, c'est quelque chose à se rappeler, même dans la retouche photo. Des choses qui marchent plutôt bien de faire un S dans vos curves. Ça va rapporter du contraste dans vos noirs et dans vos blancs en fait. Et du coup, bah vous comparez à chaque fois, hein, vous checkez Linear ou Reinhardt, ce que vous préférez le mieux. Moi j'aime bien travailler en Reinhardt. Et du coup, après, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir un petit peu gérer la manière dont la saturation et le contraste doivent fonctionner pour présenter votre crâne, d'accord? Donc là, avec le contraste, je fais un setup histoire que j'ai pas trop de noir, full noir, et des blancs pas trop cramés. La saturation, je l'ai un peu descendue parce que le Reinhardt en avait rajouté, et moi j'aimerais vraiment bien que pas avoir trop de saturation donc dans ces eaux-là. D'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un focus, un distance field, et du coup, vous voyez que vous pouvez donner un render, faire un rendu qui va en fait un petit peu flouter l'arrière de votre modèle et même l'avant aussi si vous avez un near blur qui est violent. Donc là, si je le retire et que je descends un peu le far blur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le focus distance, bah, c'est comme sur votre appareil photo, c'est la distance de votre focus, voilà. Et le near blur, c'est tout le blur qui va venir rajouter sur la partie du modèle qui sont plus proches de l'objectif, far blur sur la partie arrière. Et broken size, max broken size, en gros, c'est la distance entre les deux, du coup, entre le far blur et le near blur. Et swirl vignette, je sais pas ce que c'est. Alors vous voyez, quand on le met, c'est pas mal, ça apporte un petit côté réalistique comme ça. Après bon, il y a toujours moyen d'abuser dans ce programme et de faire des trucs un peu dingo comme ça. Ici dans le shader, il y a un truc que j'ai pas fait et que j'aimerais bien essayer, c'est de passer un peu de subsurface scatter. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des. Vous voyez les oreilles quand de la lumière passe au travers des oreilles? Eh ben, c'est ça le subsurface scatter. Là, je le mets que très légèrement, j'ai pas envie d'avoir un truc de ouf. C'est juste pour un petit peu lui donner
un aspect un peu plus smooth. Donc là, voilà. Ça, c'était pour la caméra. Il reste 12 minutes, donc je vais aller dans le render. Dans le render, ici, résolution, vous pouvez la passer en 2.1 quand vous voulez faire vos shots de fin. Ça veut dire que ça va doubler la résolution de render du viewport. En 1.1, c'est la taille normale, et en 1.2, en 1.5, bah, c'est deux fois moins. Donc là, c'est pour ça que c'est tout flou. Donc, vous passez en 2.1, anti-aliasing, vous pouvez rester en 4. Ça, stéréo, on ne touche pas. Espace, on ne touche pas. Wireframe, vous allez devoir me faire un rendu wireframe pour que je vois votre topologie. Donc, il y aura des rendus qui sera comme ça. Donc, ça permet de voir la topologie du crâne, d'accord? Voir comment vous avez travaillé. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur ici. Vous pouvez changer la manière dont il s'affiche. Là, on va pas l'utiliser. Local réflexion, c'est tout ce qui va être réflexion de lumière, mais rebondi. Résolution de shadow, bah, vous pouvez passer sur du height, ludicrous, etc. Moi, je reste en height, histoire de pas pomper trop de ressources là pendant que je stream. Global illumination, ça va travailler sur les rebonds de lumière pour qu'ils soient encore plus réalistes. Donc généralement, si vous en mettez, c'est bien de pas trop abuser dans ces eaux-là. Donc là, quand je l'affiche, c'est comme ça. Quand je me passe comme ça, vous voyez que il vient encore éclairer mes ombres comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Ambient occlusion, bah, nous on a déjà une map qui l'a créé, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser. En plus, quand le global illumination est utilisé, ça ne sert à rien. Et là voilà, on est déjà sur un truc sympa. Ok, voilà, on fait comme ça. Et là voilà, on a un crâne avec un render qui est pas dégueulasse. Vous voyez que quand je tourne autour, on a pas mal de réflexions qui suivent avec la backlight. Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors, ce que je peux faire, histoire de faire un peu des trucs sympas. Bon, là, c'est dommage parce que j'ai mon pivot qui est un peu décalé. Mais en gros, je pourrais, par exemple, faire CTRLD, un peu le dupliquer et faire une pile de crâne. Vous voyez? Je pourrais faire une pile de crâne. Et faire un render d'une pile de crâne comme ça pour un peu justement étayer la manière dont je rends le crâne que j'ai fait, etc. Je fais un render avec un crâne, un render avec deux crânes, etc. Avec une pile de crâne, etc. Alors là, je vais avoir du mal à faire parce que mon pivot est vraiment mal mis. Il faudrait que j'aille le changer de place dans mon programme de 3D préféré. Mais là, vous voyez que bah, directement, quand on a un ou deux crânes, bah, malgré, allez, je vais dire, une heure de texturing qui a été rapidos, on arrive à avoir quelque chose qui est potable et qui rend encore ça passe, quoi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il manque plus qu'à perso debout qui tient un crâne dans sa main et qui lance un sort de l'autre. Mais voilà, vous avez plus ou moins les clés pour Marmoset pour arriver à faire un rendu sympathique avec un lighting basique sur lequel vous pouvez encore vous amuser si vous avez envie de vous amuser. Mais en tout cas, vous avez les clés pour faire un lighting basique et correct d'une scène pour rendre un rendu d'un modèle. Alors, je finirai sur ceci. Donc là, imaginons que je suis content avec ça. Je vais juste aller dans Main Camera et je vais changer le Field of View. Je vais un peu le descendre. Voilà, à 30. Et donc, imaginons que
avec mon asset comme ça, je suis content. Et ben, ce que je vais faire, je vais aller donc j'ai descendu J'ai descendu Apple Render pour que le stream évite de laguer. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je suis satisfait de la manière dont mon crâne est présenté, et bien pour faire les renders, c'est plutôt évident. Il suffit d'aller en haut, dans Capture. Vous voyez qu'il y a un truc Capture, je vais y aller tout de suite. Voilà. Là, je choisis un angle que je trouve sympa. Vous voyez que là, ça display un peu chaque côté de mon crâne. Il n'y a que l'arrière qui n'est pas display, mais rien ne m'empêche d'en rajouter un pour le display aussi. Et du coup, je vais dans Capture. Vous avez les options dans Settings. Voilà. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est un JPEG. En 1920 fois 1080, pour l'exemple, c'est bien. Qualité, je vais mettre à 100. Ah non, c'est la vidéo, ça. Hop. Là, pour l'image, je laisse comme ça. Et voilà. Ensuite, je clique sur Image. F11. Et il va me mettre l'image sur mon bureau. Parce que j'ai choisi de le mettre sur mon bureau, d'accord? Quand vous cliquez sur Show Output Folders, vous avez directement le output du folder en question. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je ne vais pas cliquer sur Image parce que sinon il va calculer, ça va prendre 2 minutes, mais ça va un peu casser le stream. Du coup, vous cliquez sur Image. Alors, vous aurez d'ici la fin de semaine aussi un énoncé avec ce que je vais vous demander pour la remise, pour la cotation finale de l'année. Il n'y a pas d'examen. Hein. Avec moi, ce qui va être coté, c'est tout votre travail et le dossier de rendu que vous allez me donner. Et en gros, dedans, vous allez devoir mettre un rendu de votre crâne de profil, de face et de côté. Alors, si vous avez fait une petite compo comme je viens de faire là, rapidos, vous pouvez faire très bien un rendu de face de profil de côté de cette compo-là, il n'y a pas de problème. Essayez un petit peu d'être vendeur, d'être original et de sortir un peu du lot et de trois simples crânes comme j'ai fait là. C'est quand même bien d'avoir des petites choses qui font que, ah, on sait que c'est votre crâne. Et même là, j'ai fait qu'une petite dent en or, mais peut-être que ça suffit juste, vous voyez. C'est clean, on reconnaît le bazar, le lighting est propre. Donc ce genre de choses peuvent tout à fait convenir sans partir dans l'excès total de folie. Donc il y a trois renders, profil, trois quarts, face. Et il y aura d'autres choses, mais vous le verrez dans la feuille que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une vidéo
Et ça, j'ai pas encore expliqué. Vous avez ici au-dessus un onglet New Turntable. Dedans, vous allez faire avec Maj de cliquer, vous allez tout sélectionner et tout glisser en dessous. Sauve les lights. Les lights, elles retournent dans la scène. Et en gros, ce qui se passe, c'est que une fois que le new turntable, tout est enfant du new turntable, et bien en fait, si je mets play, vous voyez que là, il tourne. Alors le problème, c'est que là, il tourne par rapport à l'axe central qui est foireux. Donc, il faut bien faire gaffe à ce que l'axe de votre turntable soit correctement mise par rapport aux objets. Donc là, si je fais ça, je vais la mettre pile ici. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et là, vous voyez que tout ma scène tourne sur elle-même. Et je vous demanderai de me rendre une vidéo comme ça aussi avec la remise. Et dans Turntable, vous voyez qu'il y a des options pour le faire tourner plus rapidement, plus lentement, etc. Donc, moi, ce sera probablement une vidéo de 10 secondes que je vous demande. Les exports de base font directement 10 secondes, donc il n'y a rien à savoir d'exceptionnel pour ça. Et du coup, bah, pour faire cet export-là de vidéo, c'est dans Capture, Vidéo. Vous sélectionnez les paramètres que je vous aurais demandé, donc ce sera du 1920 x 1080 avec settings en x16 et vidéo quality 70, ce sera le truc de base là. Et la vidéo, évidemment, c'est du H264, donc ce sera du MP4. Et vous cliquez sur export et là il fera l'export. Voilà, je sais que ça a été très très dense. Dans tous les cas, il y a des vidéos qui vont suivre ce soir et probablement un autre cours en plus d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à communiquer un maximum sur le Discord parce que là, il est fort silencieux, mais vous avez quand même beaucoup de travail à faire, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu moins silencieux dans les jours qui viennent. Et n'hésitez pas à essayer de faire vraiment du bon travail pour avoir des crânes et des texturings et des rendus qui en valent la peine. Parce qu'il y avait des bonnes choses dans les sculptures de vos crânes. Donc ce serait dommage de bâcler la suite de par les circonstances foireuses dans lesquelles on doit tous finir l'année. Mais je suis sûr que grâce aux vidéos que vous allez avoir, normalement, il y a déjà beaucoup de vos problèmes qui devraient être résolus. Et si pas, comme je le répète sans cesse, je suis disponible constamment. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions quand vous les avez, à faire des screenshots, à envoyer des screenshots. Ça ne peut que vous servir. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Dans le cas contraire, je suis désolé. J'upload les vidéos avant la fin de la soirée. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et du bon travail. Soyez prudents, soyez productifs et au plaisir de vous revoir dans la vraie vie. Salut, salut!